de EA. L'art électronique. Donc Medal of Honor Airborne, c'est un jeu qui... Donc c'est un jeu mais qui est gratuit en fait sur le Gold de ce mois-ci, mois d'octobre 2017. Durant la seconde période d'octobre en fait. Et donc là j'avoue en fait que je connais pas du tout. On va tester ça ensemble. J'ai pas envie de faire en fait de jeu très très long avant le 27, vu que le 27 on va voir Mario. Alors malheureusement je pourrais pas vous mettre Mario sur YouTube vu que je ne peux pas capturer la Switch. Mais le cœur y est. Je regarde tout au niveau de la configuration. Je suppose que ça doit se jouer comme un Battlefield, tout ça. Ok, tout a l'air d'être bon. On va se lancer. Madame, je vais se mettre normal. Parce que bon, expert, je sais pas trop ce que ça donne. Medal of Honor. Jumping out of an airplane is one of the safest things a man can do. Provided he follows proper procedure. When the red light goes green, you jump. Follow the man in front of you. Don't stop, don't think. Okay. Go, 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 go! Venons de sauter. Il faut atterrir dans un truc vert. Ah, je veux bien. Deploy your chute automatically. The chute is designed to drop you straight down. If you're headed for a vine, you manipulate the risers to steer away from obstacles. Oh. Steer into clearings, look for green smoke. You know why we look for green smoke? Because it's proper procedure. What? Go, 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 go! Rookies and civilians botch their landings. You're not a rookie, are you? Flaring your chute will allow you to survey the DZ. It'll also make your landing less painful. If you're heading toward danger, adjust your incoming trajectory and attempt to grease the landing. You'll be battle ready much faster. Atterrissage parfait. Mais c'est un jeu d'atterrissage ou quoi? Development troopers, death from above. There are some in the army who think you will amount to nothing more than a failed experiment in a new kind of combat. They don't know you like I do. I'm convinced that the end of Nazi tyranny, when it finally comes, will be delivered by the airborne. Don't disappoint me. Je sais pas s'il fallait aller là, encore un autre succès. Saut d'entraînement. Et pourquoi pas? Travers. Travers. Here's Airborne.
Quiet! Our mission is here. Sicily, the village of Adante. S2 is reporting 4 enemy AA emplacements positioned throughout the village. The first is located to the west, in a sector hereafter referred to as Hill Houses. The second is located just beyond the northeast gate leading out of the village. The final two are heavily defended, located on the roof of the mayor's residence, recently converted to an enemy command post. This is our most current recon on the drop zone. Red markers indicate the areas of highest enemy concentration. Unless you plan to win this war on your own, I suggest you avoid them at all costs and steer instead for the green smoke flares. We move out in 2 hours. Dismiss. On peut choisir notre arme. Regardez ça. Ouais. On va tout garder en fait. Ah, va falloir sauter. D'accord. On va essayer de tomber là où il y a tout le monde. On va bon là. Les commandes, ça a changé quand même les jeux de tir. Et d'avoir le succès furtif, effectivement. Ah, d'accord. Je peux changer mon arme pour celle des ennemis. Merde. Je crois que j'ai pas trop aimé ce jeu.
Le gameplay, il a vieilli. Attendez. Options. Il n'y a pas genre mettre le gameplay 2017, non. Contrôle, défaut. Sprint, non. Qu'est-ce que c'est vieux? Ah, ça c'est peut-être mieux. À prendre le 2. Ah, ça va déjà mieux. Ouais, ça va un petit peu mieux. Spécial quand même. De merde. Arme du jeu, le flingue. Ou pas. Il y a un mec qui est arrivé dans notre dos. Waouh, on recommence d'ici. Ah ouais, quand même. Peut-être pas arrivé au bon endroit là. Oh putain, on peut vraiment arriver sur le toit. Enemy AAA is tearing up our inbound aircraft. All units within range of this transmission locate, destroy enemy AA emplacement.
Même à l'eau, c'est mieux. Même à l'eau, c'est mieux. Pourtant, je déteste à l'eau. Mais donc là, même à l'eau, ça se joue mieux. Ouais, hein, c'est pas exceptionnel. Il est avec nous. Lui. Aussi. Ouais. Aussi, je suppose. Bon. Le truc bien, c'est qu'on peut arriver n'importe où en fait. Ça, c'est plutôt sympa. Dès le début du niveau, on choisit là où on va. Le reste. Je déteste les FPS où on peut se pencher en fait. Mais sur console, sur PC ça va, mais sur console c'est horrible. Ah ouais, c'est juste horrible, les lumières. Dans les jeux de nos jours, quand on est comme ça et qu'on bouge en fait le stick, on se déplace, alors que là on fait juste on se penche en fait. J'ai augmenté en fait la sensibilité du stick aussi, parce que là je l'ai augmenté d'un cran. Bon. C'était peut-être pas de bonne idée de venir ici.
Franchement, pour le moment, je trouve que Doom est mieux. Le premier Doom, hein, bien sûr. Pas le Doom qui vient de sortir il y a 1 ou 2 ans. Le tout premier Doom. C'est pour vous dire à quel point j'adore le gameplay de ce Medal of Honor. Je trouve qu'on commence un petit peu à s'améliorer là. Je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression. Par contre, putain, mais la caméra est vraiment chelou. Non, pas défaut. Non, on va rebaisser parce que. Pour changer d'arme. Et d'accord. On l'a eu. Elle est pas mal cette arme. Ah, j'aime bien. Attendez, j'ai encore ce. Putain, mais non! Les contrôles avaient changé, c'est pour ça que je comprenais rien. C'est horrible. Putain, mais il respawn à l'infini! C'est une blague! J'ai toujours entendu dire que dans Medal of Honor ça respawnait pas à l'infini. À l'infini, arme de merde.
Apparemment j'ai plus de balles, c'est ça. On va se donner comme objectif finir une première mission. Hein. Deuxième mission peut-être. Je peux plus bouger. Comment on fait pour recharger? Non. On veut pas recharger. Ça a vieilli, hein, n'est-ce pas? Ça a vieilli. Oh putain. J'ai cru que j'allais mourir, hein. Attendez, ça c'était un objectif dans le chapitre 1. Oh. C'est pire qu'un film le truc. C'est le Seigneur des Anneaux quoi. Oh.
Ouais, mais... Et pourquoi ils sont tous en train de sortir hein? Oh la vache! Grenade. Oula. Bon, apparemment il y a déjà au moins Maître S Grenade. Okay. Bien joué pour la traduction. Quoi cette arme? Eh ben... On s'amusait un petit peu plus sur The Turing Test quand même. C'est énorme, hein, y a des trucs qui se passent franchement. Ok, on l'a eu. C'est ça qu'il faut détruire? Non, c'est ça. Je dirais qu'il y a l'exorciste qui est dans les parages, parce que il bouge d'une façon quand même parfois. Ok.
Ça avait bugué. J'aime beaucoup ce jeu, dis donc. On a quand même fait pas mal le ménage, donc bon, j'imagine que on devrait pouvoir arriver au prochain objectif assez rapidement. J'imagine. Drop discovered. Il est pas mort. Quand même. Arrêtez de faire popper des mecs qui sortent de je ne sais où. S'il vous plaît. Allez pas me chercher. Les mecs ils m'ont foncé dessus en même temps. C'était pas très très gentil. Quoi ? Pas mal. Le mec il s'était mis en mode camouflage en fait. Ça existait pendant la première et seconde guerre mondiale. Il y avait des gens qui avaient la cape d'Harry Potter et pouvaient se rendre invisible en fait. Très connu à l'époque. Et c'est là où on était tout à l'heure. On est revenu en fait. Bon, par contre, je veux de la vie. C'est après notre combat contre Harry Potter, on a perdu un petit peu de vie. Un campeur. Je sais toujours pas comment on fait pour recharger.
C'est dingue. Use reload, flare shoot. Ouais, mais c'est ça, c'est le X. Sauf que ça marche pas. Les mecs, ils ont fait un jeu. Ils ont fait des schémas et tout de contrôle, sauf que ça marche pas. Cool. Alors peut-être qu'on peut pas recharger les armes. Ouais. C'est peut-être possible. Plus rien ne m'étonne de nos jours. Qu'est-ce que tu fous ici? T'étais déjà là tout à l'heure. Il était déjà là tout à l'heure. Bouge pas le mec. Tout à l'heure il y avait de la vie partout, maintenant plus rien. Oh là 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 là. Nice work, Travers. This area is clear. Bah, je suis content que ça soit clear, mais bon. Si au moins je pouvais avoir un petit peu de vie, ça serait plus que clear. Ah. Ça sent la vie. Là, faut aller par là. C'est qui mes amis, mes ennemis? Eux, c'est quoi? Vivant ce truc là-bas? Comment vous faites pour aller en... Est-ce que c'est par là? Ouah, c'est horrible. Il a dû être élu pire FPS jamais créé. Oh, bien joué, bien joué.
Et on va tous les tuer. De respawn. Désolé, hein, je parle pas trop, mais je me concentre. Ce gameplay est tellement archaïque, quoi, que... Super loin quand même. Ah bah ça y est. Ouais, 51 minutes, 52. Hey, Worth, go tell the CO we got this one. Sir, Sergeant Setzer's requesting reinforcements ASAP. Christ, we're spread thin as it is. Okay, you and Travers go, I'll hold here. I can't stand Setzer anyway. Ok, bon bah on verra. Putain, il y a des ennemis de partout. Thank you.
Ok, voilà, c'est bon. Le dernier objectif de la mission. Et j'avoue que ça a l'air de plutôt bien se passer quand on y va tout doucement. Irzeikom. Irtucom. Comme pas trop grave. Ça y est, il a comme. Non, il compte pas en fait. Ok. Il est devant moi. Ok, il y a encore Harry Potter apparemment. Ça indique devant moi, mais il n'y a personne. Putain! C'est quoi ce truc? Il y a Colossus d'X-Men! Le mec il se prend 10 000 balles, il est pas mort. Oh oui, manieur d'armes, petit succès. Pourquoi j'ai un truc qui lance des grenades même. Ok. Ah.
c'est quoi cette arme? Le truc que je comprends pas trop, ouais. Somebody showed up. Stay clear of the window. There's a sniper across the way. He got Harding there. Thinks he got us both. He's been on the radio for reinforcements. You're gonna have to take the shot. Take Harding Springfield. Alle Infanteriedivisionen gruppiert bei Adanti. Damn. He's gotten through. The Germans are moving in. They're trying to retake the town. Hurry! A significant enemy force remains in the defensive on the outskirts of Adanti. S2 is reporting that there may be a regimental level commander present in those defenses. All units are hereby instructed to engage those defenses with the objective of either killing or capturing that officer. Squeeze! Don't pull! Use the scope! Just like basic. Squeeze! Don't shoot, Travis! Now get back to the center of town! Oh non, mais y'a combien d'objectifs? Enemy armor approaching from the north. All units are instructed to fall back to town square and provide immediate support. Faire une heure, mais bon, j'aimerais bien finir la mission quoi. Ça se finit jamais le jeu, dis donc. Tourner là-dedans encore une fois. Feu d'artifice.
J'en voulais les mecs. Hein. Allez, on avance les mecs. Les deux autres, ils sont où là? Ils sont encore plus haut? Ça fait dur.
forces in and around Adante. Airborne reinforcements are on the way. Hold your ground till they arrive. Repeat, hold your ground. Ok, il n'y en a plus qu'un. De ta cachette. Superman, il y en a beaucoup dans le jeu. Ah. Et Dark Vador. Ah, les villages d'Adante. Je crois qu'on est fini la mission. Après 72 minutes de jeu. Scott Webb, commanding officer. This is the after-action report for the 82nd Airborne, July 11, 1943. Landed at 22:30 hours under heavy fire. Airborne troops destroyed all enemy AAA emplacements in and around Adante. Village and its environs were clear and secured. Enemy currently retreating to the north. This operation, the first combat jump for our division, was decisive, but costly. The war has begun. Made it soon. Donc on a des médailles. Husky, Avalanche, Market Garden, Varsity. Donc bon, on va se laisser là-dessus, hein, parce que... J'avoue que là, ça m'a fatigué. Rien qu'une mission, ça m'a bien fatigué. Donc on se retrouvera sûrement sur ce jeu, mais sur... dans très longtemps en fait. Voilà, je vous dis à la prochaine. Bye bye.